On continue à avancer, on continue à réfléchir, ouais, qui sont capables de joindre pour permettre de nous sortir dans la situation où nous sommes là. Et puis finalement, pour que nous avons un pays, côté le fait bon pour nous vivre, un pays tout côté nous bat l'espoir, surtout à jeunes. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en plus parce qu'on est avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti pour l'autre numéro mise au point. Invité de matin, c'est l'ancien colonel Imina Rebu. Il va parler dans l'anglais, puisque Gonlette tout l'ouvri, il y a laissé à la nation. Hein. On a pas le cas de la substance qui sort dans le document ça et qui s'en a tiré, qui a aidé nous, j'en ai dit l'introduction, sorti dans cette vie-là. Colonel Rebu, son plaisir pour nous recevoir matin sous TLH. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir de venir, avec plaisir, nous allons saluer tout le monde qui a écouté, non? Et nous allons passer un bon petit moment ensemble. Très certainement. Alors, mon parti, le rappel, l'aide tout l'ouvri ça, quand il y a attention, notre mal du jour demande une réflexion plus profonde. Ça l'a dit qui ça? Bon, et en Haïti, assez souvent, nous abordons toutes questions qui concernent le pays de manière superficielle. Assez souvent, nous parlons très fort dans des choses que nous ne comprenons pas bien, dans des choses que nous ne comprenons pas. Et en pile fois, nous comparons pour agir à partir de base sous base. Nous ne connaissons pas très bien connaît de qui ça n'a parlé, nous pas suffisamment informés et nous voulons agir. Là, nous paraissons devant un obstacle, que ce soit un obstacle humain ou bien un obstacle factuel. Nous avons tendance à utiliser la force et des fois même la violence. Et sous base de colère qui habite nous, de contrariété que bagaille qui est en face nous a provoqué la caille. Et dans la grande majorité des cas, quelques instants après, quelques mois après, quelques années après, nous avons été mal agi. Cela veut dire que aujourd'hui, le pays est dans une situation conjoncturelle. Il y a une crise. Mais le premier réflexe, c'est jouer, c'est énerver, c'est écraser, c'est briser. Justement, ça me dit sans que nous ne comprenions vraiment ça qui a privé nous, pour qui c'est privé nous. Donc, si on ne bien comprendre, inévitablement, la solution va porter à une mauvaise solution. Et on va pouvoir bien pour retourner sur le même magasin ça encore. Mais à un niveau que nous identifions le problème nous-mêmes. Nous, si nous identifions le problème, nous nous avons pas dit, mais c'est ça qui fait nous dire, il faut qu'il y ait une réflexion qui est plus profonde. Et réflexion plus profonde, ça, c'est nous qui avons certains reculs par rapport à l'événement. C'est-à-dire que l'événement a choqué tout le monde, sauf un monde qui président, monde qui premier ministre, monde qui ministre, il y a dans la chaudière bouillante de l'actualité. Il y a des responsabilités immédiates. Et des devoirs de joindre des solutions immédiates. Ce n'est pas meilleure ambiance pour joindre les bonnes solutions. Parce qu'on a trop de pression. D'abord, on a le temps. C'est pour me dire qu'on a pressuré. L'ambiance, on a pile pour nous parler dans tête. Donc, on a pile idée des fois contradictoires. Il faut avoir un bon recul pour qu'on briser dans toute idée de qui est-ce qui est meilleur. Donc, et on a le temps qui demande pour agir. Ou pas forcément gagner le recul suffisant. Ou que vous êtes capable de résoudre le conjoncturel. Mais le conjoncturel, vous vivez là, laissez petit ou structurel. Si vous parlez de structurel, là, vous avez toujours gagné pour résoudre le même problème. Et quand vous avez rencontré dans une réunion avec le président Jovenel Moïse, vous avez dit qu'il faut que nous fassions très attention. Parce que la situation au jour le jour, mettez-nous face à une série de épiphénomènes. Bah, qui vient devant nous, on a traité. Ce n'est pas lui-même qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'autre côté. Donc, nous avons un pays que nous avons déconstruit pendant 30 ans. Sous près de 30 dernières années. Ça. Et puis, brusquement, nous avons le pouvoir pour la gérer. Et des fois, même peut-être, payer conséquences. On peut le bagaille que le pas de fait. On peut le bagaille que le pas connaît. On sait de bagailles que le pas bien connaît, mais on peut le gérer dans les médias. Donc il lui faut du recul. Donc c'est ça que fait nous-mêmes Nagré, nous avons une réunion de 3 heures de temps. Très profond, nous dit, ah, bagaille qui vient là, conjoncturel là, brûlant. Les cas viennent plus grave même. Parce que comme moi j'ai dit dans l'être que j'ai écrit, le 6, 7, 8 juillet, tu as du feu que tu prends. Il y a des mesures qui prennent qui éteignent flamme. Mais base du feu, elle a toujours.
qui est capable de faire pour empêcher la flamme humain? Mais ensuite, qui est capable de faire pour tison? C'est-à-dire que bois qui a du feu, ça là-dedans, qui est capable éteindre à tout jamais. Maintenant, est-ce que vous estimez que je dis à une prise de conscience qui fait, bon, côté divers secteurs dans le pays, si secteurs il y en a, et qui t'a aidé des réflexions plus profondes, ça, quoi, dit là, que vous mettez dans l'être ouvrier, il t'a fait tout bon vrai. Parce que nous sommes en 2004, tu as ensemble de propositions qui t'es faites. Après 86, très certainement, il y a des bails qui te dit. Après 2010, il y a des bails qui te dit. L'année passée, sur j'ai deux ans de cela, et le président Martelly, dans le dialogue, il y a un show. Mais le bail était entier. Et je dis encore, on vient avec réflexion profonde. Parce que nous, par exemple, fait vraiment ça, nous vient pour nous faire. Qui ça nous vient pour nous faire? Il y a un diagnostic. C'est ça qu'il faut avoir une liste pour nous inviter. Hein? Nous faisons appel à des gens. Qui toutes, c'est des professionnels, des diplômes, etc., mais ce n'est pas ça qui est important en Haïti, qui ont certaines expériences de l'administration publique, de qui ça, pays a un concept administratif. Nous faisons appel à une série de monde, métier aussi réfléchi. Nous faisons appel à des monde qui ont les payants, des monde qui ont Lionel Trouillot, et des monde qui ont Gary Victor, des monde qui ont une sorte de photographie sociétaire. Et qui, pas toujours dans le feu de l'action de la gestion gouvernementale, qui ont certains reculs, qui ont une lecture beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. Et assez souvent, il y a des gens qui ont une capacité pour un fond historique. Parce que bagage résoudre là, je dis. Si on bien cherche, on voit depuis le nouveau film fait indépendance, problème, on a vu là, pour commencer. Donc, on est obligé de faire un document diagnostique. Pour bien comprendre le phénomène, non? Et ensuite pour aller vers des propositions de solutions. Et assez souvent, je dis à un grand peu le monde qui a réuni, propositions de solutions pour aller dans le profil premier ministre, dans le profil monde qui a ministre. Depuis qu'on commence à dire monde qui a premier ministre, monde qui a ministre, pour conseiller de réflexion immédiate, sous le monde qui n'est pas cap premier ministre, sous le monde qui n'est pas cap ministre. C'est-à-dire que le réflexe destructeur vient automatiquement. Mais tout jouet ça fait sur le conjoncturel. Par exemple, question nous poser dans la réunion que nous avons. Ok, un premier ministre aujourd'hui, un ministre, pour aller faire quoi? Avec quel moyen? Dans quel système? Si nous prenons deux monde aussi habile, aussi fort que Dakabie, nous mettons exactement dans le même système. Avec un déficit de réflexion qui gens pour l'État arriver à un moyen pour faire face à un problème. Dans trois mois, nous allons critiquer même Mounzao. Dans un an, nous allons dire qu'il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de pile. C'est des gens qui sont capables. Parce que nous prenons, nous mettons nos bagailles. Assez souvent, nous pas bien connaît qui s'allie. Et nous demandons pour résoudre des problèmes dans un système qui montait d'une certaine manière. Soupra. Système démocratique, nous y a. Bon réflexion pour faire pour lui. Parce que le système démocratique, là, qui s'allie? C'est la globalité des citoyens qui portent un jugement sur un monde. Mais plus sur mon sur ça mon dit penser qui t'a dû faire pour payer à ta capable d'une différent. C'est une décision pour le sur analyse un projet de société. Première question, est-ce que mon ça nous demandé pour faire analyser, est-ce qu'il y a une capacité pour le faire? C'est ça qu'il faut ouais, nous parler dévier que élection pour la compétition qui mon qui vient plus quoi. Je dis à tous, ça qui est fait un peu mon inquiète, c'est parce que depuis longtemps, nous ne pouvons pas mettre d'accord sur ça nous voulons. Bon, généralement, nous ne pouvons pas parler. Bon, est-ce que c'est vrai tout? Il y a un monde qui dit au moins qu'on ne sait pas, mais par contre, ça ouvre, qui fait que chaque fois la réalité est difficile de venir, nous cherchons une solution cosmétique, et puis bah, elle a avancé. Il y a un monde qui vous sortit tête, mais au final, le problème aurait été ainsi. Parce que nous pas aller au fond
nous pas aller côté problème nous pas mais ça nous va aller au fond vrai mais nous parce que même au niveau secteur dans parti politique c'est ce que dans le secret des dieux de niveau ça le rencontrer monsieur Dabio est-ce que finalement c'est vrai problème vous poser ou bien c'est garder qui ça me ca joindre qui ça me ca comme ca tirer drapis sur moi pour me sortir tête moi puis j'ai deux trois clans non c'est ça nous en dans un système c'est système qui produit ça par exemple sous le phénomène de l'argent dans les campagnes électorales, de l'argent qu'il faut avoir pour devenir député, sénateur, président de la République. Mais je vais pas tout faussé à partir de là. Et tout faussé. Parce que, on pose une question humaine, simple. Il y a un monde qui travaille, qui gagne un cop, qui veut accumuler un cop. Il a gagné 200, 300, 400 000 dollars. Est-ce qu'on pense honnêtement qu'il prend 200, 300, 400 000 dollars que le travail fait pour l'albaye de Nègre bien dans la campagne politique? Pas un monde tête droite qui a fait. Maintenant, comme un monde qui veut venir chef là, pas fait ça avec Kobal là. Et que Kobal là, je nous montre le système là, c'est Kobal là pour faire. Qui vous construit mon faut qu'on la sorte de côté mon qui sorti comme la son business pas bon mon retire au comme dans poche qui investit qui pas gain intention pour rentrer comme là qu'il y a qui gens va rentrer comme là donc c'est ça que fait ouais des fois qu'on gon mon ouais mon député ou ouais le sénateur ou même ouais le président de la république les gain une infrastructure humaine derrière qu'on pas ouais c'est lui même qui vrai député a qui vrai sénateur etc. Maintenant ça moun ça qui vient chef là pral prend bail là pour le cap restituer ça le devoir côté le pral prend pour le tout manière la démocratie a un coût oui a un coût mais qui est-ce qui va payer c'est ça qui veut nous donc gain une concentration d'argent qui fait non secteur côté le pas doit aller. Ou bien une concentration d'argent qui n'est pas venu dans la poche de l'État, et l'État va le retrouver bras le mari, pied le mari, il n'a pas qu'à faire saleté, dit la fait, saleté, il n'a pas pour le faire pour la société. Et laisse à Galdou, monsieur son menteur, c'est menti, il te baille. Non, il n'est pas forcément baille menti. Les cap partis sont base, les rentrer dans le système dans le lien, les produits, ça produit par exemple. Je dis à grand pile monde qui a couru derrière par le bas. Cap dit parlementaire, si parlementaire ça. Ok. Mais mon Dieu, je ne monte le système. Qui l'autre qualité parlementaire qui a capté? Don't tell us, fam. Yo monte, parti politique, yo a dit à son système. Ce n'est pas deux monde qui adhèrent à une idée, à une philosophie sociale, à une manière de voir la société pour nous construire ensemble. C'est deux monde qui viennent assembler autour de monde yo suspect. Qui gagne loi, vin chef, donc yon tout mette yon là, si ça bon, yon tout bon. Des fois, yon a plusieurs partis politiques, même genre avec investisseurs, assez souvent yon investi dans plusieurs hommes politiques différents pour même poste là. De façon, quel que soit Jean Baye la passé, yon pas perdu. Donc finalement, le système politique nous monte, devient un commerce. Finalement, tout cas, de tout, est-ce que nous nous dit mieux? Est-ce que existe vous? Est-ce que le parti politique a existé? Mais l'opposition, est-ce qu'il existe? Il n'a pas existé. Je n'ai pas vu l'idée d'elle. Il n'a pas existé parce que le parti politique a qui s'allie? C'est grand coup, le a joué, le bras de ça, c'est petit parti politique derrière maman. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas un volume comme. Il n'a pas un volume fanatique. Il n'a pas arrivé dans le pouvoir. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de moyens pour le bail satisfaction à atteindre même immédiat. Nous faisons un constat là en Angleterre. Pourquoi on ça fait plus, près d'une année que moi auprès de parti à nous travail de restructuration. Nous allons publier semaine ça, les tu préparer pour vous dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice, parce qu'on est un parti dans le COP que nous utilisons pour nous comme l'État. Donc, nous obligés de dire qui ça nous fait avec. Nous avons voué le rapport par le ministère des Finances, donc par le gouvernement, ministère de la Justice, par le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, ministère des Finances, mon premier ministre, mon président, a un rapport qui ça nous fait. Mais le regarder chiffres, nous jouons un apport
membre directoire là, cotisation membre directoire là qui monte dans 200 ou 300 comme 1000 gouttes. Et apport, certes, parce que l'un a fait travail dans le gain des apports extra en dehors de cotisation non, que mon guinéen directoire bah, qui monte à 1 million comme 1 goutte. Bah, apport l'État 2 millions comme 1 goutte. L'un a des apports membres de 6300 gouttes. Au point de demander pour nous, pour nous rendre un rapport comme ça public. Pour qui ça? Moun qui pour construire le parti politique là, c'est membre. Et à premier bagage pour le construire, pour le membre, pour le gain droit parler, gain droit, c'est cotisation. Mais les gars, c'est plus cher qu'il vient chercher que le vin bail. Donc, le nègre a une possibilité de réussir un 150 gouttes ou 200 gouttes dans le parti. Son événement. Donc, comment après son cap dit ou son parti politique? Ce n'est pas vrai. Donc, nous avons construit ce pays sur une série, je ne vais pas dire mot mensonge, c'est un cap trop violent, de demi-vérités. Mais avec des demi-vérités, on ne va pas dire l'autre bagaille que désastre. Donc, il faut une réflexion beaucoup plus profonde. Il y a un problème qui a pété dans le pays aujourd'hui, nous avons un cop, nous avons un cop. Bon, dis-moi qui j'ai un cop construit une société avec nous avons un cop seul. Bon, qui vient faire que je dis à mon certaine haine sociale qui a fait promotion pour lui et qui a mis dans plus de problème. Qui prend et pas qui ca. Qui prend le métier dans plus de problème. Parce que, ou pas qu'à bailler au monde, sous pas rien. Maintenant, l'État, c'est réguler comment le monde qui est comme là, capable de sentir à l'aise pour investir comme là. Dès lors que l'investir comme là, le monde qui paraît travailler dans le travail automatiquement. Nous créer une série de suspicions, une série de haine. D'abord, nous montrer pays à son théorie moun vini, donc moun qui pas haïtien. Nous pas créer conditions pour moun qui haïtien ou sentir à l'aise que capable d'investir comme un job l'État. C'est l'État des responsabilités organisationnelles là, mais société a fait pour penser là. Je dis, est-ce qu'on imagine qui quantité milliards de dollars que Haïtiens possèdent à l'étranger? Bon facteur culturel qui fait qu'ils attaché à pays, ils aiment pays. Bon, on ne parle pas de pays dans la globalité. Ils pensent à ces zones où ils sont à côté de l'ombre de Maria. Tout rêve, c'est pour ta finalité là. Même si c'est nos rages, côté monde, mais on ne peut pas retirer leur culture. Non pas penser à une stratégie qui pour absorber mon sang pour sentir à l'aise, il y a une loi vie dans le pays à l'heure où il y a une infrastructure humaine, infrastructure sécuritaire, infrastructure physique pour recevoir. Donc, il y a investi comme vous. Maintenant, tout étranger qui a gardé, ou bien haïtien qui a gardé, ou bien haïtien qui a pas investi comme vous dans le pays. Et puis, vous-même, vous avez des étrangers pour venir investir par là. Il n'y a pas qu'à faire. Donc là, nous avons un problème pour nous résoudre. Nous avons marché sur capital, richesse humaine. On prend masse jeune nous gagner qui désespéré, qui partit à l'étranger. Qui idée qui produit, qui pour faire jeune sans dire qu'il est capable de rester là dans le pays pour le construire le pays. Bon, avec qui ça qui force le pays? C'est jeunesse. Qui le monde est capable de produire dans la vie? C'est entre 20 ans et 45 ans. C'est les organes plus gros force de production. Après 45 ans, c'est où les waboules sous sortir fait de 20 ans à 45 ans. Bon, nous pas bay moun la possibilité pour épanouir, pour force ça avec nous force vitale et productive entre 20 ans et 45 ans. Donc, nous pas construire un pays. Bon, retourne à la question de réflexion profonde. Là, maintenant, la grande question, colonel Rémy, c'est comment organiser cette réflexion. Et moi-même, je suis toujours fait un reproche à président Jovenel Moïse. Dans toute période de campagne, son seul a été retenu attention. Il dit lui-même qu'il faut lui organiser les états généraux de la nation. Sectoriel. Bon. C'est une faute stratégique. Le, parce que je me suis passé longtemps. Parce que une idée, les gens pour organiser pour le vital. Lors d'un Haïti, les états généraux sectoriels. Nous devons vous mettre pour bannir, mais qui est ce monde qui mettait vos sectoriels? Nous posons des questions plusieurs fois. Finalement, son publicité Tidjo avec Bicha, qui pral fait me connaître que c'est tous les secteurs de la nation. Or, justement,
les secteurs de la nation sont antinomiques. Leurs intérêts sont contradictoires. Ou pas qu'on mette deux mondes qui ont intérêts contradictoires pour discuter un point, par exemple. Sur son café dans le cas, ça va être. Non, mais c'est ça, Mabdou. C'est là que la prochaine. L'intérêt du patron est au départ différent et contraire à l'intérêt de l'employé. Bon côté pour le contrer, mais ce sont des intérêts conflictuels. On prend par exemple pour le secteur paysan. Les intérêts du secteur paysan sont contraires aux intérêts du secteur des affaires. Parce que c'est un exploité et exploiteur qui est en face. C'est deux philosophies conceptuelles sociales qui sont en face. Mais il faut que l'on passerelle pour parler. Passerelle là, moi-même, si ça fait le président qui fait discours là, il était parlé des secteurs de la gouvernance. Mm-hmm. Cela veut dire que l'homme pose des problèmes de santé en Haïti, il n'est pas capable un problème qui louait au monde riche ou au monde pauvre. Parce que ni riche là, ni pauvre là, ou de santé. Hein. L'homme pose le problème de l'éducation. On a regardé qui ça pas marché dans l'éducation. Non. Qui j'en pour t'orienter. Ça, sont un secteur de la gouvernance qui couvre tout le monde et tout le monde qui est intégré là-dedans. Mais là encore, on voit le problème. Parce que là, on parle de secteur éducatif ici, secteur éducation. Tellement de monde dans le secteur ça. Et même à l'intérieur du secteur intérêt ou pas même. Mais juste. Même là encore. Non, parce que nous venons quitter le tourné un bagage désordonné. Pas de aucune société qui est égalitaire. Même bon Dieu fait, on lui voit 5 doigts, le monde yon pas même voter à l'autre. Mais nous venons un agencement pour nous utiliser même avec différents chaque doigt qui ont. Ça, c'est une réflexion intellectuelle là. Le, ou bien, par exemple, le système éducatif que nous avons aujourd'hui, le moins même moins de l'école. Jusqu'à présent, j'ai une image du professeur que j'ai eu depuis que j'ai 5-6 ans. Je me suis songé, l'homme dans la classe enfantine, c'est comme ça que j'ai eu l'équipe de la classe. Je me suis songé, mademoiselle Jeanne. J'ai eu 68 ans aujourd'hui, j'ai eu une image dans la tête, j'ai eu 3 ans. J'ai eu une image dans la tête jusqu'à présent. Je me suis songé, directeur de l'école, mon lycée Pétionville, Max 40 ans. Je suis une série de professeurs que j'ai gagné dans le lycée Pétionville. Mais c'est avec humilité et respect, même le monde s'est fini de mourir, je pense à eux, je pense à eux aujourd'hui. Je dis à quelle est l'appréciation, quel est le rapport qu'il y a entre un élève et son professeur. Qui est l'image du professeur. Maintenant, pour qui ça le différent négativement? C'est parce que nous avons cassé des valeurs de la société. Nous cassons toutes les mythes. Tout. Nous cassons des valeurs parce que une société fonctionne sous culture et sur ses valeurs fondamentales. Le petit monde longtemps, un drapeau, pas un petit monde longtemps, un citoyen tout court, tac marché, il souffle pour le drapeau à le monter. Il y a conscience que bon bagaille qui est un drapeau et que le gain pour le gain respect. Est-ce que nous avons conscience, ça veut dire? C'est tout un abattage qu'a fait. Donc, finalement, notre système a déconstruit nos citoyens. Maintenant, comment tu veux avec des citoyens déconstruits pour capable faire une société, un pays normal? Ce n'est pas possible. C'est là nos réflexions profondes. C'est là pour nous. Et on y est. C'est on y est. Il faut identifier qui ça y est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si yo pas bon, pour qui ça yo pas bon, et qui bon pour nous corriger ça pas bon. Parce que ce qui est certain, ça nous gagne. Jean le gagne, pas qu'à nous, l'autre bagaille que désastre à nous. Par exemple, il y a un peu de monde dans la société qui était identifié que le duvalierisme était un mauvais système. Il était qu'on courait à moun, ça veut dire que il était qu'on arrêté les moun, et puis moun a disparu, ou pas, je mourir ou elle encore. Nous t'ai identifié son mauvais bagage. Nous faisons un bagage hein, le 7 février 1986 que nous relais une révolution. Révolution. Que nous relais. Nous t'ai relais une révolution. Nous t'ai même relais une nouvelle indépendance. Pour nous, nous pas disparaître. Nous sommes tout vivant devant tout le monde. Nous mettons caoutchouc dans le coule. Nous voyons gazoline, nous boulons.
Ou nèg a fait construction la caille, il estime normal, il prend camion sable, il prend camion roche, il met le sous tout droit, tombe sous chaussée, personne pas cap dit rien. Moun qui vient pour passer al bagan l'autre alternative que al passer dans place côté pour machine na passer. Est-ce que normal? Est-ce que c'est ça qui liberté a? Est-ce que c'est ça qui société a? Mais c'est lui même malheureusement qui vient règle là. Bon, est-ce que avec des règles concernent cabaler loin? Vous avez souvent nous rater des moments. Donc soit dit là après 86, après nous était quoi nous était fait bon. Même après 2004, même après 2010 plus près de nous. C'est peut-être des moments que nous ratons et c'est malheureusement et nous pas arriver à rattraper. Oui, mais nous toujours raté yo. Et raté yo, nous payer conséquences. Jodi a n'a payer conséquences. On dit par exemple, il y a des monde qui vivent une misère atroce. Et n'a vivre dans une différence criante entre monde qui gagne et monde qui pas gagne. Au point que il y a des haïtiens violents. Mon cher, disparité gagne. Si haïtien était violent, mon cher, dans le monde, ou bien M. Badap même existait même. Tellement disparité criante. Mais maintenant, disparité, ça qui souci. Bon, regardez par un quartier UP. Dans tout pays, il y a des quartiers, c'est des quartiers UP, c'est des quartiers Mouki, et il y a des quartiers moyens, etc. On a tout côté semblé. C'est eh bien, justement, donc qui sous problème ça? Dans quelle que soit ville ou aller, par exemple, il y a un gros effort qu'a fait pour ramasser Fatra. Par exemple, en pile l'argent mobilisé pour ramasser Fatra. Et mes amis, de toute société, Fatra, c'est d'abord une question d'éducation. C'est qui ça m'a droit à jeter et qui bon me fait pour me jeter dans la société. Pas que toute misère ça peut résoudre. Mais problème Fatra, c'est pas dans l'État le sorti, c'est pas dans la mairie le sorti, c'est dans le citoyen le sorti. Premièrement, c'est organisation géospatiale pays. Nous papoter les biens et services au niveau de la cellule de base du pays, qui est la section communale. Donc, moun ki nan section communale là, quitter section communale là, l'aller vers la commune pour jouer un service, quel besoin? Santé, travail, éducation, et li pa jwenn ni nan commune là. L'aller vers ville départementale là. Au Cap, Gonaïve, Saint-Marc, Jérémy, Okaï, Inch, etc. Ça qui produit qui ça? Ou gen 10 000 moun qui viennent chercher un service que vous pas joué, vous viennent gonfler là. Mais quand vous viennent gonfler, vous avez un service pour 1000 moun. Donc au départ, vous avez 9 000 moun qui ne pas joué, vous avez chercher. Et comme vous avez besoin de son bagage vital, vous tombez inventé. Donc, ou pas jamais qu'a réussi nan ramasser Fatra nan parce que premièrement le monde vini nan espace a faut bon côté pour le rite son être humain li li pa tête quel gagne côté le cap battre kay pour rite li quitte juste nan sec à cavahal beaucoup qui sont sec à cavahal li les vini là de côté pour rite donc li obligé inventer kounya le inventer a ou pas gagne des espaces pas fait pour dire kay c'est là de voir kay pousser parce que fuck moun nan riton côté et puis qu'on va laisser réguler un bagage qui pas fait pour dériver donc parce que ou pas prendre problème à la source. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réflexion parce que il est certain que un citoyen qui pas éduqué pour vivre non ville, il ne peut jamais faire l'autre bagaille que bail ville la problème. Effectivement, dans le cadre de ça, ou interpeller le citoyen, le citoyenne. Mais, il y a mon guide qui a dit, c'est très difficile, mais haïtiens chita ensemble. Moi, même quand je fais conférence, faire émission, il y a des gens qui invitent le dossier, c'est mon sac à plat, je ne peux pas venir. Je ne peux pas chita avec. Oui. Alors là, comment nos réalités comme ça? Quand on est d'accord pour faire réflexion, pour nous déboucher peut-être son véritable plan, véritable projet, on est là, lorsque déjà, ensemble, nous ne sommes pas d'accord pour nous discuter, nous ne parlons pas de l'autre, nous ne pas d'accord, nous ne pas d'accord que l'autre est différent de moi. Je ne sais pas qui est pas forcément certain que l'entreprise a réussi, mais c'est plusieurs fois en Haïti, les gars. Il n'y a pas de marché pour ça, dit là. Par exemple, après, dans l'histoire, nous avons des politiques, des intellectuels,
y a deux mondes de gauche, il y a deux mondes de droite. Alors quand on a Haïti vraiment on demande ces étiquettes ça vaut. Vraiment douce. Je viens crajou. Ces étiquettes ça vaut. Mais il y a la perception sociale et la conception de cette personne-là de la société. Justement, c'est tout le monde à approche divergente de société ça qui pour font causer. Parce que dans tout pays, c'est qu'on s'allie. Les luttes au niveau de tous les pays, c'est d'abord des luttes d'idées. Maintenant, oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais le premier bagage, je suis en devoir. Mais tu es en train de chargé ici. Oui. Je ne suis pas d'accord avec le colonel Rébu et Fahil Al-Bala. Oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai. Mais 20 fois sur le métier, c'est quand vous avez un petit bout de l'eau. Il a tombé sur une roche. On a dit, mais là, c'est une bataille qui perd au départ. Parce que bout de l'eau, ça va, faut que tu fais roche. Oui, il a pris 15 ans. Mais après 15 ans, vous avez un petit tour dans la roche là. Et ce n'est pas une tâche facile. Mais moi, convaincu comme citoyen, ce n'est pas par la violence que nous sommes capables de résoudre le problème. Nous avons une preuve là devant nous. Chaque fois que la violence est faite, elle effraie nous toutes. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, est-ce que nous avons que croiser les bras, nous ne pouvons pas dire rien, pas rien. Par exemple, tout le bagage en Haïti, c'est le gouvernement. Mais côté citoyen. Le président Jovenel Moïse, à l'élection, il passait à 500-600 000 personnes. Ok. Mais côté 5 millions, 500 000 l'autre. Même genre, il y a une crise là qu'on y a. Ok, président, c'est le responsable pour choisir premier ministre, ministre, etc. Il a fait travail par là. Oui, mais est-ce que le pays a ce problème ministre, premier ministre, il y a? Parce que tu es un premier ministre là. Tu es des ministres là. Et moun nou pral mette nan place yo, c'est pas des extraterrestres nou pral. Donc c'est le système qui a un problème. Tant que n'a injecté moun nan même système nan, n'a saisi wè que pa bay résultat. Personnalité ça ou cité a, ou contacté yo, ou parla k yo. Et premier bagay mwen fè et nan lè a contacté nou vont les d'excuses. Parce que nous, ça c'est rendre public non bagaille que nous pas discuter avec eux avant. Pour qui ça s'est fait comme ça? Le nous réunis, jour soir, après le CGT, lundi après-midi, dans la réunion directoire, nous tous autour de la table convaincus que nous allons aller vers un danger qui est beaucoup plus grave encore. Et grand peu le monde qui a dit président printemps, je ne pas un rien dans vie pour me mettre en place le président Jovenel Moïse Gounia. Et m'écrit dans l'état. Il se trouve dans la braise ardente des désirs. Et c'est tout le monde qui a un désir, ça a pressuré le cap. Waouh! Quand on est capable de satisfaire toute idée différente, ça tout de suite. Son tâche extrêmement douloureuse et difficile. Qui risquait. Le président dit la bouche, il faut que son premier ministre, il ne va pas faire ça, fâché, il ne va pas faire ça, content. Bon, son travail, Jésus-Christ à l'éternel, oui, il est là. Ok. Maintenant, le seul choix, le seul nom du premier ministre qui doit rebasculer le pays dans les hommes, immédiatement. Et je vous dis, qui est-ce qui est capable d'évaluer un désordre qui brusquement a pété en Haïti encore, s'il t'a assemblé avec ça qui est passé, jour soir, vendredi? Parce que il y a deux bagailles. Il y a ça qui passe vendredi, qui ont l'expression d'une colère, d'un ras-le-bol qui t'a préparé depuis longtemps. Et ce qui s'est passé le lendemain, 7 juillet et le 8 juillet. Et deux bagailles différentes. Vous voyez, c'est un travail spontané. Non. S'il était aussi spontané. Depuis les gens qui ont été sortis vendredi soir, ils ont fait explosion de colère. Ils ont tapé tout le saccage, tout le bail, saccagé. Et le lendemain matin, ils n'ont pas tapé rentrer. Et puis pour ces deux matins, ils ont cassé tout le business qui était bien cassé. Et bien ciblé. Cela veut dire quoi? Tout mouvement social qui attaque, tout mouvement public qui attaque au social et à l'économique, c'est un geste de guerre.
Parce que l'homme monde décide, l'alcrase spécifiquement bien un tel. C'est pas monde l'alcrase bien qui décide. Il y a un bagage derrière qui longe droit sous ça. Kounyan, moun sa longe droit sous pal là. Ça va le faire. Il va le camper gado net aller. Ou bien secteur ça, on dit secteur market, bah pour ça côté gain manger. Parce que c'est là plus facile pour voyer population parce qu'effectivement il y a un problème grand goût, c'est le prétexte. C'est le prétexte. Maintenant moun qui gain bien ça, l'autre qui gain même qualité bien ça. Entre-temps, qui sont comprendre yo fait. Qui sont comprendre y a fait. Il y a campé, croisé deux bras, yo, retourne, premier des autres qui pète encore, n'est pas rentré, vin craser bien, vin bras. Ce n'est pas vrai. Donc, l'on analyse éléments sociaux, ça, ou mettez ensemble, on dit, premier bagaille qui doit péter encore, ou qui doit tomber son bagaille d'une extrême gravité. Et qui cap mené pays, dans des situations de danger beaucoup plus graves. C'est pour raison ça. Qui fait nous dire, nous pas capitaine, nous obliger relais des citoyens, qui pas gagne l'esprit, yon en braise côté président, yon pour choisir ministre, premier ministre, pour qu'après résoudre le problème. Yon ka mette l'intérêt partout. Mais écoute, si un monde dans la vie, pas ta gagne intérêt, pas ta bon monde. Parce que. Est-ce que cet intérêt ça a fait que au minimum de recul que la pas qu'à prendre? Mais non, là, ils sont préjugés, et c'est ça qu'il faut plusieurs mondes. C'est pas une balade. Voilà, Gabriel, je vous comprends son pile. Alors, moi-même, qui dit, il y a une nécessité pour nous faire chier avec eux. Donc, sont saints, ils sont innocents, pas ni saints, ni innocents. Ce n'est pas vrai. L'intérêt est le centre de toutes les activités humaines. Sauf que son monde n'a pas d'intérêt, c'est Jésus qui vous voulez gagner. Non! Il faut que nous connaissions que nous, dans la situation, côté nous, c'est ça, femme dit dans l'être là, et m'a prêté le mot de l'ancien premier ministre Vince Paul, qui dit nous sommes Titanic. M'a dit attention, nous sommes bateau. Bateau, ça a gagné de moi, vu nous Titanic. Et comme nous tous nous sommes bateau, nous ne pouvons pas dire nous en première classe, nous en middle class, nous en classe. Troisième classe, etc. Les bateaux à chavirer, c'est pieds nous tous qui avons gardé bien en l'air et c'est tête nous tous qui avons plongé. Qui ça nous capable de faire pour éviter? Je ne dis pas que ça peut venir, je bon Dieu. Ça qui a droit venir. Mais la personnalité, ça vous dit, vous parlez, vous d'accord, vous voulez aider? Travail ça a fait jeudi. L'être la sortie mardi. Premièrement, nous écrivons une note d'excuse. Du fait que nous citons en public sans que nous ne pas consulter. Mais nous dit que nous croyons que c'était la bonne manière de faire, libre à eux. Il y a plusieurs qui parlent avec moi déjà, qui répondent. Et nous allons avoir une réunion et nous voulons notre bio pour fixer date, heure et lieu réunion. Matin, un bon travail qu'a fait. Parce que, on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, communication rapide, on vient de voir une autre barre en tout et puis il n'y a pas well. Donc, matin, on appelle qu'on fait pour vérifier bon côté tout le monde si on recevra notre là, parce que ce n'est pas courrier ou papier nous voyons, si on recevra notre là. Et deuxièmement, pour connaître qui est le monde qui dispose. Il y a des amis, par exemple, on parle avec le docteur Buteau. Il se trouve que et il est à l'étranger, il a pris juste le 14 août. Au point que matin, il communique avec moi. Il dit, est-ce que le cap voyé, il y a un monde dans la structure là, dans la place là. Tu vois? Mais sur quel critère nous choisissons ça? Vous avez ce monde ça? Nous choisissons deux mondes que nous suivons pendant longtemps dans la société. Qui des intellectuels, qui des politiques, et qui presque ont même caractéristique de patriotisme et de tempérance. Par exemple, pour un monde comme Lionel Trouillot, un monde comme Gary Victor, c'est des monde qui vivent de la sociologie quotidienne de la société et qui produit des réflexions. Des réflexions critiques, certes, mais qui ont un certain recul, qui pas forcément des monde qui rentrent fonctionnant dans le pouvoir en Haïti. Nous faisons appel à des politiques, un monde comme sénateur Paul Denis.
Et sénateur Paul Denis, c'est une politique qui peut être moins bien connue en Haïti. Moi, j'ai eu une expérience de travail avec l'élection de la convention des partis politiques. Monsieur, c'est un administrateur ou intellectuel d'une finesse qu'on n'a pas imaginé. Moi-même, moi expérimenté. Ou pour mon concours Edgar Leblanc fils, que j'ai eu un privilège de collaborer avec lui dans la convention des partis politiques, qui est un monde très convaincu, très remé Haïti, mais extrêmement apaisé. C'est pour mon parole violence absolue. Donc, nous cherchons, et en pile monde comme ça, nous prenons un monde comme le docteur Joseph Buteau. Nous prenons un monde qui est ministre. Joseph Bijoux. Nous prenons un monde comme et nous proposons nous travailler avec un monde comme Madame Michel Duvier-Pierre, qui a gagné une expérience de pouvoir, de l'administration au plus haut niveau. Moi, je crois que c'est un aéropage de personnes qui, à la fois, gagnent un niveau d'expérience, de capacité de réflexion, de capacité d'agir tout, mais qui gagne une image de tempérance, c'est que ce n'est pas de monde qui gagne tête chaude. On est donc un agronome Jean-Louis Victor, qui est un agronome racé, on est qui gagne conviction bien trempée sur certaines bagailles, mais qui est extrêmement technique, capable de bagailles que vive, que l'on connaît. Mais c'est comment créer cette mise en commun? Bon, la tentative de la mise en commun, moi-même, pourquoi qu'on est? Parce que moi pas un deus ex machina, tout simplement moi comme citoyen que bagaille nous gain là, il y a deux équipes qui peuvent travailler. Il y a équipe présidence qui a réglé affaire conjoncture ça pour l'éternel inspirer pour prendre les bonnes décisions, et nous dit que le travail du président c'est de trouver des gens qui peuvent créer ce qu'on appelle le doute favorable. Pas de personne qui cap bail certitude sous un rien là. Mais c'est de monde, leur population, ouais, c'est moi, je vous dis, ah, si c'est moun sa yo, on font garder. Si vous pas gain picture ça, image ça, au départ, ou kabri tombe nous un bagay extrêmement violent tout de suite. Maintenant, qui l'a fait pour mieux en contact personnalité ça? Et n'a fait rencontre là, n'a fait coordination pendant chita avoir la coordination faite parce que faut nous parler avec tout le monde. N'a rencontré en 20 semaines, ça a fini. Vous êtes en jeudi hein? Oui, jeudi mes coordination a fait, n'a fait une première rencontre, une première rencontre qui pral bay une identification. Qui ça nous lié? Qui ça nous capable? Qui je nous pral orienter réflexion nous et à qui ça réflexion nous observer. C'est pas deux monde qui pral des job ministre individuellement et de bay payo, mais la réflexion ne va pas vers le conjoncturel. Ça a été mon libéral dans le gouvernement, etc. C'est une réflexion beaucoup plus profonde. Maintenant, l'un de réflexion, l'un fait constat. Qui ça nous va faire avec? C'est certain, et nous pas des structures gouvernementales, nous pas des structures de décision. Nous pral moins quoi? Nous pral porter apport ça pour le pays hein, et d'en chercher les canaux par lesquels il faut passer pour le faire. De toute manière, nous ne pouvons pas négliger la conjoncture là, puisque le premier ministre qui remplaçait Dr. Jacques Guy Lafontaine en primature, pour ensemble de monde que le président a consulté depuis tantôt deux à trois semaines, selon vous, qui j'en vais à la table de fête là, côté le cadre de joindre, secteur privé, ou pour nos partis politiques, pour nos sociétés civiles, ou monde qui derrière d'Oli? Sur ce sujet, je suis mal à l'aise pour me répondre. Pour quelle raison? Parce que il y a une mémoire dans laquelle nous dit tout ça nous pensons. Et qui allait côté doué aller. Sur le conjoncturel, sur les éléments d'analyse de la conjoncture, bagaille balavant là, s'acriver là. Comment le faire arriver? Pour qui ça arrive? Et qui ça nous a fait pour ne pas arriver encore. Et il faut que nous choisissions des gens. Ce n'est pas des anges que nous allons chercher dans le ciel pour nous mettre. Le rôle ça, c'est tâche président. C'est lui-même seulement qui a pour nous. Mais, le fait pour le faire travailler ça, à la lumière de ce qu'on a vécu. À la lumière de qui gens, population globalement, ouais, gouvernement en Haïti, ouais, structure et système. Par exemple, un gros travail qu'a fait contre le Parlement haïtien. Faut que nous fassions une très grosse différence entre un individu
qui n'ont une institution et institution en lui-même. Le Parlement, c'est une institution qui est créée par la Constitution de la République. La Constitution est encore là. Ou cap reprocher, tout ça reprocher. Si problème non, c'est dans la Constitution, son point de réflexion, parce que c'est la Constitution qui monte le système, non? Voyons comment nous allons faire pour changer le système à travers une autre constitution. C'est son point de réflexion. Par exemple, après, en dans l'invitation à prendre un monde Kankou et Madame Maniga, un monde Kankou les slipper. C'est de monde qui écrit, qui réfléchit. C'est pas de monde qui brusquement, c'est avec conjoncture là, il commence à penser à payer. Donc, et pour la conjoncture, nous avons fait ce que nous avions à faire comme citoyens, comme chef de parti. Et mission nous sur question ça fini. Et moun qui... Est-ce que nous voulons être suggérés un profil, genre plus mon affaire là? Non, 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 c'est pas. C'est pas pour. Il y a des rôles. Les rôles sont séparés. Et rôle, moi, comme chef de parti, comme citoyen, je dis que je remplis. Et je ne vais pas rater dans le détail sur ça. Il y a quelqu'un qui doit prendre les décisions, c'est le président de la République. Moi, je vais consulter un peu le monde. Par exemple, bon, on bagaille nous quoi? Si nous avons fait deux routes gouvernement, ça. Pas un bagaille qui marquait de manière solide, certaine. Il y a espoir que un jeune femme, un jeune garçon, que dans toute structure, le premier bagaille que je demande, c'est expérience. Mais qui pas j'aime une route ouverte pour le travail un jour. Nous pas faire route pour le travail un jour et puis nous avons exigé l'expérience. Côté vous joignez. Donc, il y a un élément nous proposer, et là, nous très clair. C'est que nous avons un budget qui tourne autour de 144 milliards. Ouais, comme vous avez rapporté le budget, parce que nous avons changé. Justement, parce que le plan rapporté, qui ça nous m'a dit que tu as dû faire, il faut que dans chaque mairie, qui gagne un pays par rapport à force. Il est capable d'injecter environ entre 25 millions et 50 millions de gouttes chaque 3 mois. Pour qui ça chaque 3 mois? C'est pour commencer à qui réflexe mon gain par rapport à comme ça. Qui ça comme ça t'a capable fait? Faut que nous mettre des comités de citoyens dans la commune. Vous n'avez pas 3 mouns qui meurent, qui pourraient le racheter, couper, qui pourraient le penser, qui ça pour vous faire. Mais moyen ça t'a permettre de rapatrier les jeunes de cette commune, qui est ingénieur, qui est médecin, qui est avocat, etc., qui t'avine comme des techniciens qui ont assisté programme de santé, programme d'éducation dans la commune. Ça. Et projet qui vous a adopté, ce projet, ça est le comité des citoyens de la commune. Et nous avons même vu mettre en compétition entre communes pour nous, qui commune qui utilise l'argent mieux. Qui commune qui a le meilleur résultat, les entreprises vouées pays vers la compétition positive. Mais qui ça ensuite pour nous gagner? Faut si nous avons moyen l'État dans chaque commune, premier bagaille qui vous a fait, faut la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, t'a gagné un moyen dans le budget ça tout pour capable de mettre de monde qui a contrôlé dans chaque commune. Qui j'en moyen l'État ça pour l'utiliser. Enfin. Un mouvement comme ça, simple. Tu as commencé à faire jeune, comprendre que tu as rentré à le travail pour communiquer et la preuve de travail. Maintenant, Rémi, pendant 10 ans, Fénam propose que vous mettez l'autre ministère, que vous mettez le ministère de la collectivité et du développement local pour retirer sous l'obédience du ministère intérieur. Ce n'est pas nécessaire. C'est ça que tu es fait là qui n'est pas normal. Parce que comment peux-tu comprendre? Qu'un bonhomme qui est ministre de l'Intérieur, ou bien qui est ministre qui règle l'affaire pour de planification, c'est lui-même qui a pris une décision pour ça, qui a passé Pestel. Bon, qui ça qu'on est dans le quotidien Pestel, pour c'est lui-même qui a pris une décision pour débloquer ou pas débloquer. Donc, bagaille la vie nous jouer politique, je nous fais politique en Haïti, et le résultat que nous gagnons. Donc, nous-mêmes, qui ça nous dit? Va pour l'autre ministère, j'ai fait un mandat là. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est côté COBLA, fait pour l'ALIA, les fait pour l'ALIA, parce que COB qui rentre notre taxe pour collectivité territoriale. Et nous calculer sur toute commune dans la République. Si on a entre 25
et 50 millions chaque 3 mois, ça t'a bien bail 100 millions ou 200 millions pour une année, l'étape seulement représente 29 milliards. Et si nous t'abêtons 1 milliard pour renforcer la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, nous avons seulement 30 milliards. Maintenant, si nous avons retiré 144 milliards budget national, là, nous prenons 30 milliards que nous voulons dans la commune, nous supposons que nous avons moins de pression sur le pouvoir central. Là. Et nous avons tout profité de retirer. Trois achats à sous tête, député avec sénateur. Un député avec un sénateur, c'est lui-même qui pour faire enterrement, c'est lui pour faire mariage, c'est lui pour faire communion, c'est lui pour faire ballon football, beaucoup de monde joue. Donc cela veut dire que le système a organisé un désordre qui fait parlementaire nous gagner obligé, pas gagner temps, ou bien pas capable de faire job parlementaire, parce qu'il est obligé de chercher pour le potaler, ou pas qu'on ait gagné qui parlementaire, ça tout simplement abandonné. Si grand subsidiaire côté de l'IA, parce qu'on n'a pas qu'à rentrer là-dedans, donc nous n'avons pas qu'à monter un système comme ça, c'est comme ça lié, et puis nous quitter comme ça, nous pas faire. Donc moi je crois que je ne suis jamais pour les grandes révolutions. Parce que assez souvent, grande révolution, je ne vais pas jamais préparer l'après. Nous avons fait une grande révolution en 1803, nous n'avons pas préparé l'Haïti d'après, nous côté nous réajouter. Oui, la révolution est nécessaire. Mais il faut qu'il y ait une poule de réflexion qui pour connaître la révolution, en fait, qui nous a ordonné le pays. C'est pourquoi j'avais dit, quand le président Haïti devait partir, mais que le président Haïti peut aller quand même. Mais son départ doit être un départ ordonné. Nous pas qu'à faire dans le désordre. Nous faire dans le désordre, nous voyons qui conséquences les gains. Donc moi-même, moi, quand je dis, il faut qu'il y ait une réflexion profonde. Par exemple, samedi là, on passe son bagage qui pas qu'à faire. Et maintenant, imaginons que un nègre qui nègre, c'est un Carvajal, ou bien un nègre qui nègre Pestel, ou bien quel soit l'autre commune. Et puis, on a un bel mouvement comme ça qu'a fait dans la commune, pendant les à l'étranger, ou pas à l'étranger, on pile association des citoyens de tel côté, qui médecins, qui ingénieurs, qui n'ont toute qualité d'administration, qui assez souvent voyaient bagaille pour commune, mais les voyaient bagaille là dans la commune, pas une structure d'accueil. C'est ça. Donc, moi-même, moi, je crois que nous sommes capables de faire des bagailles qui sont simples, mais qui sont capables de faire une réorientation psychologique sur les valeurs de ce que nous possédons pour nous capables développer, pour ne pas nous bouler caoutchouc, nous craser bien le monde, nous chercher le monde pour nous railler, le monde pour nous tuer, pour nous capables construire une société. Parce que nous faisons déjà, nous mettons nous côté nous. Donc il faut que nous fassions un bagage différent. Et pour nous faire un bagage différent, il faut le penser. Et c'est pour objectif ça que nous, les citoyens et citoyens, il y a des milliards d'autres que je ne pas connaître, que je ne pas vivre avec eux. Même penser que l'idée de bazar, il faut transiter dans tout département, parce que là, jusqu'à présent, on a parlé dans la capitale de Port-au-Prince. Il faut aider ça à rentrer en dans le département, en dans la commune. De telle sorte que c'est une tâche globale de la citoyenneté haïtienne pour nous aller pays à côté avec pays à côté le cabalé. Et c'est là ça, et là ça seulement. Nous capables de valoriser investisseurs. Nous sommes capables de valoriser l'étranger. L'étranger a venu faire ça dans le pays. C'est parce qu'il n'a pas aucun rail. C'est ça. Donc, il faut que nous mettions le rail. Et qu'on a utilisé les bonnes volontés pour renforcer le travail. Bon, tout le monde, il y a seulement une fois, si vous continuez à faire même le rail, il y a un autre résultat. Voilà. C'est que nous attendons de faire de l'autre choix. On attend nous pour nous réveiller en l'autre genre. Et puis bon, on attend très certainement le choix du président de la République. Et elle promet de on attend le choix du président de la République. Même lui-même, tout le reconnaît son gros suspense. Ouais. Il reconnaît tout que c'est pas un bagage. Son gros responsabilité. Son très gros responsabilité. Mais il prend responsabilité président. C'est lui qui fait face. C'est lui qui a fait face. Rôle nous, c'est porter des idées, les meilleures idées possibles d'après nous, qui est capable de construire. Pour nous sortir dans la mécanique, déconstruire, craser, briser tout le temps. Voilà, notre invité ce matin, l'ancien colonel Emile Rebus, avec l'une des faits mises au point ça, on a regardé l'aide tout le monde, on a regardé l'aide tout le qui ça, et quoi est capable de faire, qui contribution, qui est capable de porter pour que nous arrivions sortir côté de l'IA, capable finalement construire un pays côté tout le monde capable de vivre et nous rebâiller l'espoir. Ça, c'est très fondamental pour que nous rebâiller l'espoir, surtout à jeunes. Merci un peu, le colonel. C'est moi qui vous remercie et je pense que nous avons une discussion utile matin. Très certainement. Merci tout le monde, tout avec moi en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.